Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Shin Megami Tensei 5, c'est Serial Killer et on continue notre petite découverte du jeu. Pour l'instant ça se passe bien. On a passé en gros l'intro du jeu. After comparing this blue pillar of light with my data, I have Pour l'instant, on n'a fait qu'un seul combat, mais... As one might surmise, it holds incredible power. Not only can it heal those who touch it, but it can also instantly teleport one to another. Considering the damage sustained in your previous battle, I recommend you verify it. Ok, cool. C'est une sorte de point de sauvegarde, quoi. On peut se téléporter d'un point à un autre, ça nous soigne. Why, this is the place I call home. As you can plainly see, I'm a bit of a collector of sorts. It's easy living. What with the riffraff out there and me in here? Still, a demon like you's a first. One body, sure, but I can sense two spirits within, no doubt about it. Pleasure having you. Je l'aime bien, lui. Gustave, gardien de l'antre du cadavre. You may call me Gustave. See something you like? It's all yours. For a small fee, of course. Ok, c'est un marchand, quoi. So, off to Tokyo Tower, are we? And you found little old me while trying to harvest the power of the ley line fount, yes? Then you ought to do yourself a favor and make a purchase. I'll sell you what you crave, long as you got the marker. Give your... Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Des médicaments? Alors, j'ai que 565, hein. Je pense que ressuscitation légère de PV. Seules les altérations d'état. Bon, après tout le reste, c'est beaucoup trop cher. Attaque feu sur tous les ennemis. Ouais, donc on peut acheter des items qui font des dégâts magiques. Des items qui protègent de dégâts magiques. Affiche des informations relatives à un ennemi. Ah, bon, j'ai pas assez de thunes pour l'instant, mais ça pourrait être pas mal d'avoir quelques lunettes. Histoire de dévoiler toutes les faiblesses d'un ennemi. D'un coup, on va acheter quand même quelques médicaments. Allez, 10. Toutes mes thunes. Faut autre chose, non. Je peux commencer à penser que c'est le destin. Je veux un petit service. Trouble is, they're fickle, and even worse, forgetful. Oftentimes, they give up the search and do whatever they please. Useless. That said, if you happen to run across any, mind sending them back old Gustav's direction? I'll see to it you're rewarded. 4 secondaires. Also, I've taken liberty to connect this place to the ley line fount. Feel free to come and go as you fancy. Till next time. Ok. Oh yes, of course. Here, I can use the flow to heal you if you fancy, but I can't do it for free. Ok, donc c'est payant de se faire soigner. There was an unexpected meeting, but we were able to confirm the Fount's capabilities. As we make our way to Tokyo Tower, I recommend we look for the Mimon. Ok, continue la progression. Donc on peut sauvegarder ici.
On peut tout faire, parfait. 42 minutes, un seul combat, tout va bien, on est dans un vrai RPG. Ouais, bon, pas la peine de me soigner, je trouverai des trucs de soins sur la route. Ça c'est quoi, c'est un Mimon ou c'est un ennemi? Young man, could that be one of the Mimon we were told about? Ok, sacré monstre. We've located a Mimon. We should. J'ai vu autre route pour le moment. On verra bien au prochain point de sauvegarde de toute façon. We've located a Mimon. We should report. D'accord. En fait, il nous dit de revenir au point, mais juste avant, il nous dit qu'on continue quoi, notre route. Faut savoir. Found a Mimon already, have we? My thanks, friend. I got just the thing to show my appreciation. Essence de Moraki. Ouais, ça nous a donné un item, quoi. This is an essence. It contains the power of a demon. Power that only the... You'll want to make your merry way over to the Leyline Fount in me. See you next time, bro. Ok, elle m'a donné un item, je sais pas à quoi il sert. Est-ce que j'ai un inventaire? Map. Ok. Essence. Ah. Onmuraki. Donc c'est ça qu'il m'a donné, quoi. Niveau 4. Essence contenant le pouvoir du démon Onmuraki de la race Raptor. J'ai vu qu'il y avait un autre Mimon là. Ok, donc là j'ai trouvé un ennemi là, là-bas. C'est la question que je me posais, à savoir si les ennemis étaient sur la map ou si on les voyait ou si c'était des combats aléatoires à l'ancienne et que ça popait de temps en temps. Il y a un distributeur là. Young man, Pixie. It appears there's a demon up ahead. I have une suggestion à vous faire. Il va nous apprendre à leur taper dessus, je pense, pour avoir un avantage. Ah non. Oui, donc là, il nous apprend qu'on va pouvoir recruter les démons. By talking to demons, you can try and persuade them to. I have a life stone you can use. Ok. Ah oui, donc là c'est talk direct en fait. On parlait, ok. Barry parle au démon. Oh, ouais, c'est une pixie, je l'avais reconnu. Ils ont les mêmes noms que les monstres de les démons de Persona. Discutons. Je vais te poser une question et tu vas devoir trouver la réponse qui me satisfait, ok? Ah putain, oui, c'était ça. C'est selon le caractère des. Dans Persona 5, selon le caractère des démons, il fallait trouver la réponse adaptée. Sauf que là, je connais pas le jeu, je sais pas. Est-ce que tu me trouves mignonne? Là, j'ai rien sur l'écran qui m'indique son caractère. Donc je sais pas ce qu'elle veut du coup, qu'on lui dise. Bon, elle a l'air contente donc ça va. Autre question.
Est-ce que tu veux que je devienne ton allié? Il a l'air enjoué, donc je vais lui dire ouais. Super, écoute, je m'y oppose pas. Mais l'assistance des démons n'est pas gratuite. Tu dois leur donner des objets, de l'argent et parfois d'autres choses pour qu'ils acceptent de te rejoindre. Je vais te dire ce que je veux, alors fais en sorte de me le donner. Que faire? Je veux pierre de vie x1. Ok, bon, on va faire simple, on va dire d'accord. Bien joué, t'as réussi à me convaincre. Tu vas pouvoir négocier avec d'autres démons comme on vient de le faire, pour tenter de les recruter. Cependant, les démons sont imprévisibles, alors ça ne se passera pas toujours aussi facilement. Mais même si ça ne fonctionne pas du premier coup, tiens bon, et n'abandonne pas. Je suis Pixie, de la race des fées, j'espère qu'on va bien s'entendre. Bon là maintenant j'ai la Pixie en plus de mon oignon machin là. Hein? Quoi? Mon petit. Pourquoi il apparaît pas là, l'autre niveau 4 que j'ai eu alors? Bien joué, jeune homme. Vous pouvez tenter de négocier avec des démons que vous aimeriez voir dans votre équipe. Jusqu'à 3 autres démons peuvent rejoindre votre équipe. Plus vous avez de démons à vos côtés, plus le combat sera aisé. Essayez de parler à plusieurs démons afin de les recruter. Appuyez sur X en dehors du combat pour afficher le menu. Depuis ce menu, vous pouvez utiliser des compétences et des objets, gérer vos démons, consulter les quêtes et d'autres choses. Attends, donc je dois pouvoir équiper... Analyse. Dia. Ah, c'est un soigneur. C'est un soigneur. Oh, ça, des blobs. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Lorsque vous initiez un combat, la meilleure stratégie est de frapper l'ennemi. La plupart du temps, cela vous donnera l'initiative. A l'inverse, si l'ennemi vous surprend, il y a de grandes chances que c'est lui qui obtienne l'initiative. Lorsqu'un démon se trouve sur votre route, vous pouvez appuyer sur le bouton Y pour le frapper et lancer le combat. Si le démon ne vous a pas remarqué, vous pourrez porter le premier coup du combat. S'il vous a remarqué, la première attaque sera décernée au hasard. Mieux vaut donc attaquer par surprise. Ok. Est-ce que je peux sprint? Ok, lui il m'a pas vu. Player retourne. Ok, alors... Ça en général, c'est des ennemis qui sont résistants aux coups d'épée. Ok. Eh, mais attends, mais... C'est une faiblesse? Pourquoi j'ai pas rejoué? Passer le tour. Alors, on voit qu'a priori, deux actions. C'est encore un mode jeu derrière, a priori, donc... On va faire une attaque simple. Sur lui. Et on va refaire du coup une attaque magique sur le deuxième. Est-ce que c'est comme un personnage si j'ai fait une faiblesse sur deux personnages, il y a un coup spécial? Non, c'est juste que j'ai un tour supplémentaire en fait. Ok. HP, t'as une tape fort. Hein. Il vit déjà là. Ah oui, attends, mais j'ai un soigneur maintenant. Mais oui, c'est vrai. Ben voilà, problème résolu. Ouf, critique. Oh, le 3 HP, mais non, mais... Attends, je l'ai perdu définitivement, là? Non. Elle a disparu de mon groupe. Hein. Je la récupère à la fin du combat, quand même. Je suis pas obligé de recapturer des monstres dès que j'en perds un.
Putain, mais ils mettent que des critiques. Mais oui, bien sûr, joue deux fois de rang, je te dirai rien. Allez, parlez. Je vais le capturer là, maintenant qu'il est faible. J'ai l'air de vouloir partir. Que voulez-vous faire ? Je sais pas, je connais pas son caractère. Comment je peux savoir quelle est la réponse qu'il attend en fait ? T'es triste ? Très très triste ? Ce qui est triste, c'est que tu vas mourir. Là, c'était pas la bonne réponse. Ok. Du coup, il joue. Ah putain, faut que je l'achève là. Putain. Comment on sait On va retourner soigner la Pixies. Et nous soigner nous au passage. Le double critique, elle a pas aimé. Hein. Ah ouais, monnaie 85, ça coûte 36 pour me soigner, quoi. Ok, donc on peut la raise, c'est bon. Ok. Alors, on va utiliser skill coup critique. Attention, c'est sur toute l'équipe, je crois. Coup critique garanti pour toutes les attaques, même magiques. Ah, puis du coup, je joue directement quand même. Voilà, ok, ça m'utilise pas un tour. Alors ça, c'est fort. Parce que là, du coup, ils vont prendre un coup critique de foudre dans la gueule. Les deux d'un coup, là. Ok, deux actions. Ok, cool, il est pas mort. On va essayer de lui parler encore là, on va essayer de le capturer. Une petite attaque, voilà, 7 HP, ça c'est que dalle. Alors, level 1, c'est un fétide. C'est un slim. T'as l'air goûtu, je peux te manger ? Je comprends pas par rapport à Persona en fait. Persona il donnait un indice sur la personnalité de l'ennemi pour savoir quoi lui répondre. Là je vois absolument rien à l'écran qui peut m'indiquer quoi le. Qu'est-ce qu'il aime en fait ? Qu'est-ce qu'il attend comme réponse ? Je peux te goûter ? Vas-y, mort. Vas-y, je vais le provoquer. Je commence par quoi ? Ouais, il aime ça. Mords-moi la main. Tête. Ah, là c'est. Là y'a. Oh, moi la tête. Non, c'est de la provoque jusqu'au bout quoi. Mais si je te mange la tête, je devrais manger le reste aussi. Pas moyen, je me traballe ton corps. Fais chier. Bon, tu sais quoi, je t'embarque tout entier, je te boufferai chez moi. Que faire, que faire. Donne-moi 98 maca. Putain, j'ai pas les sous. Alors qu'est-ce que je lui dis pour pas qu'il prenne la mouche ? T'as pas besoin de ça. Et blabla, je vais te faire taire moi. Et hop, ça repart au combat, putain. Du coup, il joue. Fait chier. Est-ce que je peux réessayer direct de lui parler ? Ouais, c'est ça. Le démon se met en garde. Ah, mais c'est en fonction de la première phase, en fait, de phrase. Entre ils veulent fuir, ils se mettent en garde. Il se met en garde, donc il est sur la défensive, là, du coup.
lui dire de se détendre ou se mettre en garde. Détends-toi, mec. J'imagine que je pourrais te tuer un peu plus tard. Ok, bon d'accord, on peut parler. T'as de longs cheveux, comment ça se fait? Il est assez jouasse. Peut-être pas le provoquer. C'est une malédiction. Ouais, ça m'évite de m'en faire. J'ai pas besoin d'entendre des jeux de mots stupides comme ça. Putain. Ce que je veux, c'est des cadeaux. Ok, qu'est-ce que tu veux? Putain, mais j'ai pas 90 maca. Demande-moi autre chose. J'en ai pas. Tu me fais perdre mon temps. Putain, non, il veut que des thunes, lui. Putain, et j'en ai gagné 10 dans le combat, quoi. Mais putain, oh, ah, si j'ai su, j'aurais pas tout dépensé comme ça. Hein. Alors, vas-y, mort. Donc, ça, là, tout à l'heure, ça a marché, ça. Vas-y, mort. La provoque, ça avait marché. Alors, la tête, il a pas aimé. Donc, on va lui donner un petit truc. Il a pas envie d'un truc trop gros. On va lui donner la main. Dirk, qu'est-ce que c'est que cette main toute osseuse? Putain, mais c'était la jambe, évidemment, quoi. J'avais une chance sur 3. Ah si, 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 c'est bon. Serre-moi la main et mets-y de la force. Ça marche. Barry et les démons se serrent la main de toute leur force. Le démon abdique et retire sa main. T'es Hercule ou quoi? Ok, t'as gagné, je viens avec toi. Je suis Slim, de la race fétide. Enchanté. Et let's go, un nouveau compagnon. Ok. Niveau 2. Une nouvelle compétence terrifiante, il a appris. L'estomac. Attends, ça n'en fait disparaître qu'un sur les 3. Ah, faut que je me trouve du soin. J'ai vu qu'il y avait une machine là tout à l'heure. J'ai cru voir une machine. Ouais, là, elle s'est planquée là. Est-ce que ça peut me soigner, ça? Soda x1. Ok. Soin auto, c'est quoi ça? R. Soigner toute l'équipe. Vous n'avez aucune compétence de soin ni de res. Ah putain, c'est si j'avais eu ma fée de vivante, j'aurais pu utiliser ses soins en fait. Bien pour la raise. Ouais, c'est bon, j'ai plus la raise. Et là, normalement, on va enregistrer parce que j'ai quand même réussi à récupérer le slim. Il y a des nouveaux ennemis. Ah, j'ai du soin là. Ah, cool. Ok, c'est surtout du soin que j'avais besoin là. Hop, parfait. Ok, on va voir ce nouvel ennemi là. Player turn. Alors skill, on va voir s'ils sont sensibles à Zio. Non. Alors, est-ce qu'ils sont sensibles? On va faire un mirage du coup sur lui. On va tester. Elle tape pas fort, attention, elle sert à rien. Si je fais passe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je joue quand même? Un player turn, ouais c'est ça en fait, ça donne le tour à mon héros. Ça me paraît bizarre, quoi. Ça veut dire qu'on pourrait tout le temps jouer avec le héros en passant tout le temps, quoi. Ce serait étonnant. Non mais faut arrêter de focus ma pixie par contre, quoi.
Soigne toi, hein. À chaque fois qu'elle prend un coup, elle arrive à quasi morte. Il a raté sa cible. Et il m'a mis 34 de dégâts quand même. Mais oui. Heureusement qu'il a raté sa cible. Hein. Putain, elle perd tout son MP à soigner, elle. C'est ça, vas-y, tape mon slim. Tape mon slim, il est là pour ça. Voilà. Vas-y, garde. Toi. On va dire garde aussi. Oh là 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 là, heureusement que j'ai gardé. Hein. Et on va essayer de le capturer. Est-ce qu'on fait du mimétique? Oh, il devait s'approcher. On s'approche. On va lui faire signe d'approcher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me donner un truc? Ouais. Voyons voir. Balance donc un paquet de TPV. Ok. D'accord. Ouais, c'est bon ça. Je suis Preta de la race revenant. Ouais, ouais, enchanté. Nickel. Bon, bah au moins on n'aura pas eu trop à se battre pour le capturer. Ah, ils l'ont quand même foutu à poil et on voit tout quoi. C'est... niveau up, cool, un peu plus de vie sur ma pixie. Parfait. J'ai gagné 3 HP. Bon niveau augmenté. Utiliser les points bonus. Bon, pour l'instant, on va augmenter la force et la vita. Bon, on meurt vite, hein. Je vais encore augmenter la vita ce coup-ci. Ok, donc elle a sa compétence devant. Hop, si je soigne. Elle est à combien de mana là? Elle est à 73 de mana. Ah ouais, mais en fait c'est ça. Elle le fait en auto, mais je pensais que on paierait une fois la récupération et que ça le faisait sur toute l'équipe quoi. Mais non, non, non. Tu me lâches toi? Hey, il ne lâche pas hein. Il y a un item là, voilà. Non. Essence de Preta. Alors, mais je sais pas ce que c'est les essences, parce que j'ai une essence de machin là aussi, là, d'un autre truc. Je sais pas encore comment on les utilise, les essences. Ok, et il est... Ah, il a des attaques de glace, du coup. Ok. Au niveau de la map, on est comment, là? Il y a encore un item à au-dessus, là, à aller chercher. Ah putain, j'ai raté mon saut. Ah, il y a un PNJ par là, médicament x2.
Cherche, cherche, cherche partout, même dans les bâtiments. Perds pas la motivation. Hyper important ça, la motivation. Ok. J'ai trouvé un mimant supplémentaire. On va aller voir le PNJ là avant d'aller vers la quête principale. Et on va terminer la vidéo là-dessus. Essence de slime, ok. Je suis Mokoi. Tu es dans une impasse, c'est dommage pour toi. Si tu veux continuer, tu vas devoir retourner à l'embranchement et prendre l'autre direction. Et si tu fais un grand détour, tu verras même un train. C'est un train de la série E23. Quelque chose. J'ai oublié le numéro, mais il en met plein la vue. Ok. Si tu le dis. Voilà une bonne équipe. On va aller sauvegarder avant de prendre l'autre embranchement. Si tu cherches trop les reliques, tu trouveras pas les mimants. Regarde bien partout pour pas les louper. C'est vrai que j'ai été direct sous le coffre et que je l'ai raté. Bon là normalement on a fait le tour de la zone. Maintenant que j'ai récupéré 4 mimants, on va voir s'il nous dit quelque chose là le truc là. Naturally, I mean that. If it's a fair price you want, I'm good for it. Les reliques obtenues dans les distributeurs automatiques peuvent être échangées ici contre des macas. Ah, c'est ça la boisson de jus dans le distributeur. Ok. Alors, que veux-tu? Récompense de mimant. À 5, un 7 de soins. Ok, donc là il m'en manque un. Ouais, ok. Vendre. Le soda. Ah, il me rapporte que 60. Eh ben putain, les thunes, ça monte pas vite, hein. Et ça part vite. Ah non, non. Allez, on va voir ce qui se passe à l'embranchement. T'es mignonne, hein? À mon avis, c'est pas te manger qu'ils ont envie. Alors, les démons accumulent du Magatsui dans la jauge de Magatsui. Lorsqu'elle est pleine, de puissantes compétences appelées compétences Magatsui deviennent disponibles. La jauge se remplit à chaque tour en combat, et lorsque vous en ramassez des orbes de Magatsui sur le terrain, utilisez ces compétences dès que possible pour renverser le combat en votre faveur. De puissantes compétences deviennent disponibles. Ah ouais, est-ce que moi j'en ai une de compétences Magatsui? Mais c'est pas forcément la même avec les autres mecs de mon équipe, quoi. Mais bon, faire des coups critiques, c'est bien. On va le claquer. De toute façon, je pense que le jeu, c'est ça qui va nous apprendre. Voilà, comme ça, je rejoue. Bon, alors, j'ai plus beaucoup de mana, on va faire une attaque de base. Allez, bim, critique, comme ça, je rejoue. Le Slim. C'est quoi son truc à lui, là? Omega Tokoi, c'est un critique aussi. Ok. Faire une attaque critique avec un peu de MP qui va faire beaucoup de dégâts du coup, en critique. Bim. Et vas-y que ça rejoue. Et enfin L. C'est aussi un critique. Ouais, j'ai un prêta qui joue derrière donc normalement.
toute façon, avec tous les critiques, j'avais tellement d'actions en cours en fait là, c'était énorme. Ok, il a gagné un niveau. Il gagne une nouvelle compétence, le poison. Ça, j'aime bien le poison dans les jeux, là, dans les RPG. Yes, le buff. Lui il gagne le sort de glace. Voilà, parfait. Là, j'ai un petit peu de tout en magie là. Le démon en kimono semble avoir une interprétation très particulière de la situation. Qu'allez-vous faire? Je vais dire qu'elle est pénible. J'ai tellement envie de lui dire ça. Partir. Mais j'ai envie de... je suis trop gentil aussi, j'ai envie de lui dire ça. Bon, allez. Tu t'inquiètes pour moi? T'es trop mignon. Yep, I'm just fine. All good over here. Wait a sec. I just realized I've never seen you before, huh? Wow, how weird. So who are you? Where are you headed? Young man, there are demons in this world that feign kindness to prey on you. Certains démons sont en train de vous mettre confiance en agissant de manière amicale. Je suggère que nous l'ignorions et passons notre chemin. Hey, you're leaving? Well, fine. See if I... Non, je voulais la recruter. Je pense qu'on la reverra, c'est un truc du jeu, ça. Ok. Bon. Eh ben, ça fait déjà une bonne vidéo, là. Donc on va s'arrêter là. J'ai juste envie de voir la map. Imaginez, il y a un combat de boss juste derrière. Ça a l'air d'être le cas. On va aller voir juste le prochain point de quête principal, ça a l'air d'être un boss.